même de gérer ça. Regarde comment la femme est en train de boiter. Hein? Si c'était moi que tu as donné une jolie femme comme ça, elle aurait dit rien. Hein? N'a géré ton problème. Hein? Tu viens sur la terre une fois par an. Tu viens sur la terre tous les 25 décembre et tu crées rien que des désordres et tu repars. Et tu repars comme ça. Moi, je n'ai rien à te dire. Hein. Dieu, je n'ai rien à te dire. Mais le jour que je vais te voir face à face comme ça, je vais te dire les erreurs que tu as faites sur cette terre. Maman, on a dit, on l'a venu mener bien. Hein? Gogoro, Kaï, mon dit, mais ça, tu veux mener bien. Hein? Ça derrière, est gros. Grosse comme ça, comme un tunnel. Hein? Tu vas voir la voix est loin comme ça. Est-ce toi tu peux aller comme ça tout ce tour là. Le coup de bras de nous, à zone de vie, nous voyons que la blouse là de Benoué. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a donc bête le quoi sur moi? Hein? Tu me mets en colère? Ça m'avertit. Jamais, je ne peux pas dormir. Et ça, c'est une femme ou bien quoi? Ou bien c'est lui-même qui a fabriqué la femme. Mais, hein? Tu m'as appelé? Tu vas me voir sur le toit maintenant. Hein. Il y a quoi, mon homme, là, par nous et tout. Moi, si on est là, il ne peut pas faire ça. Il serait en train de dormir comme ça. Hein. Moi, je vais. Dieu, tu vas me donner une femme comme ça et moi, je vais dormir. Je vais rester. Je veux. Non, 24 heures. Pendant 2 ans. Mais nous pouvons prendre nous et la somme nous voler. La personne a mangé le cola jusqu'à 7 ans, sont déjà pourris même. Si vous calez souffrir, nous vous dire. Quand on a une nouvelle qui a été comme un radito. Il ne peut même pas faire les 4 heures de temps que moi je tenais comme ça. Malgré que la femme que tu m'as donnée est une femme maladie, non. Nous bloquons 4 heures de temps. Lui, il ne peut même pas faire 20 minutes. Oh là là, au secours, il y a quelqu'un ici, au secours. C'est quoi la voix? Qu'est-ce qu'il y a? Baba, hein? Il y a scorpion dedans. Ah! Scorpion? Oui, il m'a piqué, waouh. Ici. C'est pas fait de l'hôpital. Tu veux me dire ou bien quoi? Mais c'est comme ça qu'on fait, ça va poigner. Mais tu vas mourir, quoi. C'est mes parents. Hein. Donne-moi mon habit, on va. Non, c'est pas fait de l'hôpital, papa. Mais tu vas mourir, hein. Les scorpions français sont très venimeux. C'est ça, je sais. C'est même pas. Non, c'est pas à fait de l'hôpital. C'est mes parents qui m'ont envoyé ça. Et t'as fait quoi? Baba, tu sais. Mais tu es mon ami, mais je ne sais pas comment il va te dire ça. Oui. Quand tu es le meilleur, hein? Quand tu as l'homme, il m'aime bien. Tu vas mourir vite. Viens. Tu sais. Chez nous à Bomé là, au Bénin, ces scorpions nous piquent comme ça. Hein? On met ça sous la femme. Là, ça calme, on met ça sous la femme. Ça va calmer. Oh, yeah, you know. Non, tu parles, mais dis ça. Mais je ne veux pas que tu dises ça, tu es mon ami. Maman, j'aime bien. Oui, chérie, oui. Oh, mon cœur. Mon sang qui circule dans mon verre, oui, c'est ça. Oui, sans toi, tu ne saurais vivre. Oui, tu t'aimes trop. Non. À moi, c'est que nous avons déjà pris les nouveaux.
C'est que, un ordinaire maillot, je n'arrive pas à dormir. Parce que tu es une femme très, très irrévérencieuse. Très polie. Très sympa. Non, c'est pas question de te flatter. C'est pas question de te flatter. Parce qu'il y a un dépe. Oui, c'est ça. Et oh, jamais je ne marierai d'autres femmes, jamais. Tu seras on met ensemble. Même le. Non, c'est pas une blague. Les jours que je vais décéder, oui, on va m'enterrer dans ta douche. Dans ton douche. Là où tu laves là. Et avant, pour m'enterrer, ils vont caler mes deux bouches. Quand tu laves là, l'eau rentre directement dans mon ventre. Oui, c'est ça. Ils vont nous dire. Ah oui, à quoi on a coup? Pourquoi? Mais je t'attends. Tu ne viens plus. Rendez-vous, écoute. Écoute, Nicole. Non, c'est pas bon. C'est pas sérieux. Ça fait plus de 4 ans. Amitié sans amour. Ça ne peut pas marcher. Hein? Mais c'est toi-même qui a dit qu'aujourd'hui, le rendez-vous, ça tient. Cet rendez-vous est un rendez-vous inratable. Maintenant, même si ton père est en train de fêter son anniversaire, ça ne peut pas nous compliquer la vie. Si jamais tu as osé, ma fille est bien, hein? Je suis là, oui, oui. Oh, tu vois, ton père est quoi? Ton père est méchant. Ton père coupe la tête des gens là. C'est pas ton papa qui veut te marier. Toi, tu vois, tu avais non. Il y en a, à ma fille, il y en a. Hein? Ah, d'accord. Et là, combien? D'accord, c'est ça qu'on va voir. Et c'est ça. 3 ans. 3 ans, incontable. Je ne sais pas si tu es. Si tu es autre chose ou autre chose. Je vais venir. C'est ça qu'on va voir. D'accord. Même ta gueule. Oui. Comment ça va? Je croyais que tu vas oublier la date d'aujourd'hui. Ah, on est beau, c'est mon anniv aujourd'hui. Je croyais que tu vas oublier ça. Ah! Non, mais tu sais, c'est 57 ans. Donc, je suis en train de faire le programme pour fêter 60 ans. Et néon, je ferai tout possible pour que l'État français. Elle a chômé, justement. Ils vont chômer pendant 3 jours. Même les trains dans l'oiseau, hein, elle a chômé les pays. Oui. Eh, mais tu sais, il n'y a pas de problème. Je vais t'appeler. Depuis le matin, je ne fais que de recevoir mes invités, hein, les jeunes du quartier. Bon, comme je n'ai pas organisé grande chose. Un jeune quartier, on a dit non, il va pour pouvoir pour nos pochami. Oui. D'accord. Merci. Ah, c'est gentil, hein, c'est gentil. Attends, qui m'appelle encore? Vraiment. Allô? Oui, Chantou, ça va? C'est toi qui m'appelais? Ah, c'est ton mari. D'accord. Et ton mari, à surtout il était et you vois allô mais oui. Ah le blanc. Ah, je crois que lui aussi il va oublier la date. Et l'autre, lui là, j'ai oublié ça. Ah d'accord. Non, il n'y a pas de problème. Non, tu peux m'envoyer tout ce que tu veux, hein, ma fille. D'accord. J'ai invité tous les jeunes du quartier. Comme je n'ai pas organisé grand chose, là on va rester ensemble. Ta maman, bon, elle vient de sortir, hein, comme elle prépare depuis le matin, elle vient de sortir. Et ta soeur aussi est sortie, je suis seul dans la maison. Et je suis seul. Ce que je suis en train de me préparer pour faire maintenant, je vais rentrer dans ma chambre, prendre une bouteille de whisky, voilà, vider une bouteille, et puis moi seul. Parce que j'avais appris que le jour de l'anniversaire, si tu as la chance, le lendemain, tu vas te réveiller.
Si tu n'as pas la chance, tu vas partir comme ça. D'accord. Et d'accord, bon, ça fait ça, hein. D'accord. Et salue-moi, comment on appelle, ta copine là. Vieux ceci. Il faut le saluer de ma part. C'est la copine de ma fille, non? C'est rien. Coco de Yoko de Yosan de Mano Wani. D'accord. Merci. Qui m'appelle encore? Vraiment, appel sur appel. Appel sur appel. C'est qui? Ah, c'est l'ancien président français. Mais lui aussi, je croyais que... Attends, je vais l'appeler. Allô, président. Regardez-moi. Je sais que c'est le seul mot que tu as compris. Comment ça va? Ça va? Ah, tu n'as pas oublié la date d'aujourd'hui? Non. Ben, tu sais, toi tu es déjà riche, je n'ai pas besoin de t'inviter. À quoi il a besoin d'inviter, je préfère te donner ça à les pauvres. oui, monsieur le président. Non, je vais faire campagne pour toi. Tu veux revenir au pouvoir, non? Il n'y a pas de problème. Ah, si les Français acceptent, mime noir les Wenangbea. Tu es avec qui? Sarkozy? Ah, d'accord. Notre ancien président béninois, tu es avec lui? Ah, il faut me le passer. Ah oui. Bonsoir, monsieur le président de la République. Ancien président. Oui. Vous êtes ensemble. Ah, c'est notre ami. Tu es passé le voir. Vraiment, il faut. Oui, monsieur le président. Mais vous êtes où actuellement? Où? Mais vous faites quoi là-bas? Vous êtes en Chine. Un table me garde en Chine, non? Et donc, un table a dit en Chine. Voilà, mais en Chine. Un peu plus haut, un table, ouais. Mais il faut me parler. Donc, tu fais quoi en Chine? Ah, d'accord, yo. Yo, d'accord. Et j'ai son numéro. Bagboa. Il y a 3 jours qu'il vient de quitter chez moi ici. Non, nous on se voit très bien, tu sais, on se voit très bien. Merci, tout à l'heure. Qui m'appelle encore? Et moi, je vois que je suis en train de parler avec le président. Tout le monde commence par m'appeler. On commence par m'appeler. Ça, c'est quel nom, ça? C'est Barack Obama. Mais, on a eu l'air. Jamais. C'est comme ça, le jour de mon anniversaire, c'est comme ça. C'est pourquoi j'ai dit le jour que j'aurai 60 ans, je vais organiser ça. C'est comme au milieu de la voie. Et autoroute, tu es dans un endroit où il y a deux bâches d'eau. Autoroute. 120 personnes. 120 personnes. Parce que ici en France, il faut t'imposer pour le gouvernement. Si tu t'imposes, gouvernement au retour, ils vont te payer. Qui je vais appeler maintenant? Qui m'a. À Ouattara de Souloïlomi. Vraiment. Et lui, je vais l'appeler parce que c'est un nouveau président africain.
Oui. Allô, Ouattara. Ah. Ouattara, oui. Voilà, ne vous fous pas mon crédit. Mon crédit, c'est Ouattara que je suis en train de faire. Ce crayon-là, il a décroché. Au lieu que tu sais que ce n'est pas toi qui es Ouattara, tu as décroché. Tu as décroché. Ouattara, il est. Oui, alors, monsieur le président. Oui, vous êtes en train de faire quoi? Hein, comment tu vas me dire de rappeler? Vous êtes en train de faire quoi? Lessive. Ah oui, mon yamé, nous, mais. D'accord. Ah, d'accord. Ah, qui ont solo dans l'autre, tu vous devez. Ah, il y a. Ah, vous passez ton nom, passez ton nom. Oui. D'accord. Ah, d'accord. Oui. Monsieur Guillaume, ça va? Ça va très bien. Et Côte d'Ivoire, ça va. Et mes parents qui sont là-bas. Ah, il faut les entretenir pour moi. Hein. Oui. C'est ça. Tu sais, Ediarunde, qu'on a doublé d'or. Non, mais tu sais, les gens, si les gens sont en train de dire ça que vous aussi, vous avez tué les gens, c'est faux. Hein. Moi, j'étais témoin. Oui, jamais. Mais le mieux, nous pouvons pas avec vous. Vous avez gouverné. Oui, c'est ça. C'est comme ça que les gens disent. Tu as oublié pour moi. Je suis le président pour les Africains en France ici. Tu n'as pas vu comment les gens ont crié mon nom. Que je suis en train de prendre l'argent chez les gens. Alors que Mélène, c'est les gens même qui viennent me donner l'argent chez moi. Mais est-ce que je vais refuser? Qui refuse l'argent? Ah, si quelqu'un te donne, là, il faut le prendre. Hein. Ah, moi, je suis comme ça. Ça, c'est pas la corruption. Hein. Oui. Moi, je suis prêt qu'on vienne me corrompre. Mais je ne peux pas aller jamais corrompre quelqu'un. Oui. D'accord. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Oui. Bon, je vais te rappeler. D'accord. Attends, je vais voir la personne. Ah, ça c'est Koukba Kisa. Ah, le premier ministre béninois. Ah, vraiment? Moi, je crois que les gens ils vont oublier la date d'aujourd'hui. Oh, si je savais, j'allais mettre la fête là aujourd'hui pour laisser 60 ans. Si bien sûr, des bons coups, on ne sait jamais. Hein. Oui, allô? Allô, monsieur le ministre? Oui, bonjour. Ça va? Et le pays, ça va très bien? Et votre projet? Ah, d'accord. Mais j'avais appris que vous voulez couler une dalle pour voilà sous non foyer le coton mais il y a sous boule. Et bleu de mille officiers mais les blancs aussi ils ont fait ça. Mais souvent c'est tous les cons ils ont fini à dire qu'allez couvrir mais non bien quoi. Fini non bien quoi bien non mon père non nous mais souvent mais c'est grave oui monsieur le ministre si vous fermez ça c'est grave. Et c'est là aussi les sorciers quittent sur le racine, là, c'est là-bas qu'ils passent pour aller chez eux. Et regardez à l'écoute, il y a mené le concours, il y a un essence. Happy birthday to three. Happy birthday to five. Happy birthday to nine. Chi-c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 hi
Vraiment les jeunes, oui, comment ça va? Ça va, ça va. Mais moi je croyais que vous allez déjà oublier la chanson là. Non, papa. Ça va, ça va. C'est Dédé Viquet qui avait initié cette chanson. Oui. Je crois que c'est en 1931, non? Oui, avec Céline Dion. Oui. Non, quand lui il a créé la chanson, les Français disent ça veut dire quoi ça? On ne peut pas chanter une chanson d'un noir. Et les autres Français disent non. Il faut appeler le monsieur. Donc et avec nous, on Céline Dion. Quand Céline Dion a chanté ça, les Américains ont dit ça là, ça c'est bon. Parce qu'il n'y avait aucune chanson pour entonner l'anniversaire. Donc c'est comme ça que les Anglais aussi ont fait ça. Et après ça, j'étais parti en Chine. Et je chantais la chanson. Il y a un Chinois qui me dit, mais comment tu connais la chanson là? Je l'ai expliqué. C'est Wang Guiyu qui a composé ça. Justement, c'est Wang Guiyu. Il a beaucoup de paix à son âme. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Bon, tu es venu me voir. Oui. Merci encore. Et merci encore quelque chose dans la maison. Attends. Vieux. Le mignon. J'ai le corps, oui, mais. Et son ton père, méchant. Comment il est mort? Le monsieur est sourire. Papa, mais autre aussi. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça là. Je ne suis pas étranger. Merci papa. Et maman, elle est sortie. Maman est sortie. Tu sais, on a déjà tout fini. Hein. C'est le peu que maman m'a laissé. Non, je ne peux pas encore manger. C'est maman qui m'a laissé ça, comme Dieu a dit, s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Partageons. C'est ça. Donc allez-y, fais comme chez toi. C'est gentil. Oui. Oh vieux. Vraiment. Ah, c'est très bon ça. Alors vous les jeunes, vraiment je vous félicite beaucoup. Hein. Avec les dévaluations d'aujourd'hui, pour acheter un coca maintenant, c'est 10 euros. Ah bon? Oui. Nous on n'achète pas, hein? Maman, d'accord. Là où je travaille, j'ai une société en Lyon. Et par exemple, si vous voulez voyager, pour payer, acheter des billets d'avion. Oui. Et quand tu uses le voyage, oui. C'est moi qui gère ça. Quand tu voyages, c'est moi qui gère ça. C'est toi qui gère ça? Oui, c'est moi. Alors là-bas, ils donnent les boissons gratuites. Oui, papa. Fais comme chez toi. Hein. Est-ce que vous avez pensé, messieurs? Thank you.
C'est comme chez toi, hein? Ça va? Comment? C'est très gentil. Oui, oui. Donc, vous connaissez monsieur Abdou? Aziz. Monsieur Aziz. Oui. Ah, Aziz, c'est mon petit frère. Ah bon? C'est mon petit frère. Bon, il était avec moi ici, mais. Oui, ça. Que, depuis qu'il a commencé par devenir riche, il m'a laissé, il est parti. Allô? Allô? Ah! Oui, ça va? Oui. Oui, ah, c'est monsieur, my phone. Oui, c'est ça. Non. Oui, je suis au pays. Je suis au pays, c'est vrai. Je ne suis plus en France. Bon, j'ai deux semaines de congé à faire. Je suis à côté de mon beau-père. Quand je te dépasse. Papa. Oui. Un ami de Léon. Allô. Bonjour. Hello. Allô. Allô. Ah, ça n'a pas de connexion, frère, si je m'en parle. Ah, d'accord. Ça va? Comment on t'appelle? Bien, ça, c'est plus ça. Ah, enchanté. Oui. Ça va, et vous faites quoi dans la ville? Je suis opérateur économique. Ah, tu es opérateur économique. Ah, d'accord. Mais bien, ça installe les feux rouges dans le temps. Toute la France. Ah, c'est toi qui installe les feux rouges. Ah, d'accord. Eh, mais tu es dans le quartier, mais il faut dire les gens de faire feux rouges ici parce qu'il y a trop d'accidents. Non, je ne suis pas dans le quartier. Hein? Non, je viens de Nantes. Tu viens de Nantes. Filo Yinebo Fia. Mais je croyais que tu es dans le quartier comme je fête mon année future. Non, papa. Mais tu es venu faire quoi ici? Je voudrais voir votre fille Nicole. Ma fille Nico. Oui. Donc tu es venu voir ma fille Nico. Oui. C'est pas que tu es venu me souhaiter un joyeux anniversaire. Je suis son petit ami. Tu es son petit ami. Tu es son petit ami. D'accord. J'ai compris. Allô. Oui, allô. Oui, Albert. Oui, ça va? Ah, John. Oui. You say. Ah, depuis Nigeria. Et ma maman a donné au chat. Oui. Oui, tu as fini Chango, il doit défaire. Oui. My wife, papa. Un ami de Nigeria. Des femmes. Allô, how are you? Hi. How are you? Fine. Hello. Ah, c'est les réseaux, papa. Ah, d'accord. Bon, non, assois-toi. Assois-toi. Fais comme c'est toi, hein. Oui, papa. Oui, je vais aller. Appelez Nico pour toi. Oui, hein? Les jeunes là, tu es tellement gentil, c'est très bon. Papa.